Alors, chers amis, donc voici le résultat final. Résultat final donc de notre ouvrage que nous allons commencer. Que nous avons déjà commencé la première partie. Et donc là, on va poursuivre la seconde partie. Merci. Ah, c'est très bon. On poursuit avec la seconde partie. Avant de terminer donc avec la réalisation des manches. Donc voilà ce que ça va nous donner à la fin. Alors comme je vous ai dit, on va augmenter pour le devant, on va augmenter de chaque côté. Et pour la manche, on va augmenter d'un seul côté ici. Comme vous pouvez voir. Alors le motif, on le garde. Et pour le dos, on va augmenter de chaque côté du motif. Chaque côté du motif, on va faire une augmentation pour le dos. Et puis donc on va faire deux séries d'augmentation à la fin donc de la réalisation donc de l'empiècement. On va faire deux séries d'augmentation et à la fin on va simplement poser un ruban pour serrer donc le tout. Alors vous voyez, c'est très facile et très simple à faire. Le motif, il n'est pas très compliqué, n'ayez pas peur, il n'est pas très compliqué, il est très facile à réaliser aussi. Voilà. Encore, on continue avec la seconde partie de notre réalisation. Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la première partie de ce pull. Alors c'est différent. Maman, c'est... Waouh. Allez, désolée, j'étais un peu interrompue par Amélie. Alors je disais donc, on va commencer la première partie de ce pull. Alors c'est un pull en rose. Pouvez prendre la laine spéciale bébé. Alors c'est très différent pour monter donc l'empiècement de ce pull. Alors pour ce pull, on va pour le devant, on va augmenter de chaque côté. Donc ça va faire un triangle comme ceci. Donc on va augmenter de chaque côté de deux mailles de séparation. On va faire une augmentation et puis donc côté manche, donc ce côté-ci, on va augmenter une seule fois. Donc c'est à gauche, on va une augmentation à gauche pour la manche. Et pour le dos, on va augmenter. Donc là, je suis sur le dos, on va augmenter des deux côtés. Oups. Faut pas pleurer. On va faire une augmentation des deux côtés. Excusez-moi, on va faire une augmentation des deux côtés du côté donc motif. À droite, une augmentation. À gauche, une augmentation. La manche, c'est la même chose. On va augmenter cette fois-ci à droite. À droite, donc, du coup, du motif. Voilà, ce empiècement. Vous pouvez voir. Alors, voilà. Ça fait ceci. Voilà. Devant. Pour la manche, on réalise le motif et on fait l'augmentation à droite. Pour la manche, on fait le motif et on fait l'augmentation à gauche. Et pour le dos, on va augmenter des deux côtés. Donc au début, vous avez trois mailles, le nombre des mailles pour le motif. Et vous avez trois mailles, donc vous allez augmenter après les trois mailles et après les trois mailles. Donc je vais vous mettre le schéma, un petit dessin. Donc voilà, alors vous aurez besoin des aiguilles circulaires pour réaliser ce pull. Bon, on va travailler en rond, c'est très simple.
C'est vrai qu'au début, lorsqu'on est à la première rangée, c'est un peu difficile, mais lorsque vous allez augmenter en rangée, vous allez voir que ça va être très facile de travailler en rond. Alors, pour le pull, le premier que j'ai commencé, bah, je n'ai pas vérifié avant la quantité de laine que j'avais. Bon, c'était juste une petite boule. Donc, voilà, je me suis retrouvée à court de laine pour ce premier pull. Donc, ce pull, c'est très différent du pull rose, parce que l'empiècement un peu pareil comme par rapport aux autres montages. Donc, l'empiècement, là, c'est très simple. Vous avez juste le motif à réaliser, donc au devant, sur le devant plutôt, sur le dos aussi, et sur chaque manche. Alors, pour la suite, on verra, ça va changer un peu. Donc, on verra ça prochainement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la réalisation de ce pull, la première partie. Donc, vous aurez besoin des aiguilles circulaires numéro 3 et demi pour le col. Et puis, pour le reste, vous prenez des aiguilles circulaires numéro 4 à 4 et demi. Donc, prenez les aiguilles qui se tricotent avec la laine que vous aurez, simplement. Alors, moi, j'ai choisi une laine que j'ai trouvée par hasard. Vous pouvez prendre la laine spéciale bébé. Alors, vous n'aurez pas besoin de faire la couture parce qu'on va travailler en rond et on n'aura pas besoin donc de faire des finitions à la fin. Alors, bienvenue sur. Et vos messages, questions, aussi remarques. Alors, lorsque j'arrive à la fin donc, de la formation de l'empiècement, j'ai 41 mailles sur le dos. Pour la suite, je vais donc, récupérer les deux mailles de séparation. Donc, ici, c'est le début de la rangée. Alors, pour cela, donc, je vais faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles. Je fais une augmentation. Cette fois-ci, je vais croiser l'augmentation pour pas qu'il y ait donc du trou, une augmentation. Donc, je vais augmenter de 7 mailles. Deuxième augmentation. Troisième. Quatrième. Cinq. Sixième. Et septième augmentation, et puis je termine donc par 3 mailles. Donc là, c'est le devant. J'ai fait cette augmentation. Alors, je vais laisser les mailles dans les mailles de la manche. Donc, je prends les deux mailles de séparation, les mailles du motif,
donc les mailles que j'ai augmentées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, je crois que vous pouvez avoir 24 ou bien 25. Si j'ai pas fait d'erreur, si j'ai pas sauté, donc si j'ai pas oublié plutôt de faire un JT, voilà le total. Alors, les mailles de la manche. Alors, pour faire, donc pour joindre le devant et le dos, je vais augmenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. 8 mailles pour faire, pour joindre donc le devant et le dos. Alors pour le dos, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je fais une augmentation. Je fais une deuxième augmentation, donc 2 mailles ajoutées. Alors, ici, je suis sur le motif, je fais le motif. Là, je crois que j'ai sauté. Une rangée de trop. Je fais donc je fais donc 1, 2, 1 augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Alors, je vais te faire ici. Je fais une petite erreur. Je suis allée trop vite. Donc, je vais te faire jusqu'ici. Alors donc, pour faire
Pour joindre le devant et le dos, on a augmenté donc de 5 mailles. Et on va faire, donc là nous sommes sur le dos, 3 mailles, 4, on fait une augmentation croisée toujours pour pas qu'il y ait des trous, 1, 2, 3, 4, deuxième, 1, 2, 3. Et 4, troisième, 1, 2, 3, 4, quatrième, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais réaliser donc le motif. Une fois, je glisse maille. Voilà. Alors là on se retrouve sur le second devant dos plutôt. Ici j'ai augmenté de 4 mailles. Alors de ce côté, donc je fais déjà 3 mailles à l'envers pour le motif. Je fais 1 première augmentation. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et 8. Donc, ici j'ai augmenté de 4 mailles, ici j'ai augmenté de 8 mailles. Donc, toujours on va laisser les mailles, donc ces mailles qui vont compter pour la manche, on va les laisser en attente sur un petit bout de fil. Alors,
Pour cette manche aussi, on va augmenter en deux, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit mailles. Alors ici, considère que je suis donc au début de la rangée. Donc à la fin, je vais faire déjà une rangée, retour. Donc je vais tricoter, je vais faire rangée, retour sur toutes les mailles. Le tour et on se retrouve ici au début. Voilà, alors on se retrouve au début. Je me retrouve excusez-moi, au début. Alors je vais faire dernière série donc d'augmentation, 3 mailles, 4, je fais une augmentation, deux. Donc je suis à 3 augmentations. Cinq, six. Alors, ici, sous la manche, donc, ici. J'étais sous la manche donc 5 6 7 7 8 9 et 10. Une première fois, je fais la rangée motif
objectif. Donc je fais le devant le donc la moitié du dos, je fais une deux quatre cinq encore six et je vais faire la dernière sept ici. Voilà, donc si on prend les 10 du début et les 7, ça me fait 14 mailles augmentées au total pour cette deuxième rangée d'augmentation. Et donc je vais faire une rangée retour. Je tricote, je fais le tour et on se retrouve ici. Voilà, donc là je fais le tour. Alors ici, vous allez voir, je vais alors je vais repousser, donc j'ai une deux trois mailles là le début du rangé, vous allez voir pourquoi. Alors je fais 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, je prends toutes ces mailles. Ici, je vais faire trois mailles tricotées à l'envers. Première rangée du motif. Donc là, on travaille sous la manche. Une maille glissée, donc trois mailles,
Et je prends donc 3 mailles tricotées. Je vais tricoter à l'envers. Alors voilà. Donc là, sous la manche, j'ai créé un nouveau motif. Et puis je prends donc les mailles du dos. Pour le dos, c'est donc première rangée du point. On arrive sur ce côté. Donc, vous voyez, ici j'ai laissé 3 mailles, donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles, 1, 2, 3, et donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mailles. Je vais tricoter 26 mailles à l'endroit avant de réaliser donc le motif. Alors voilà donc comment on forme le corps donc de notre pull. Donc, 3, 3, 3, 1, 3, 3, voilà, 3 mailles côté à l'envers, premier rangée du motif, et 3 mailles tricotées à l'envers. Alors, et là on va faire donc la rangée retour. Voilà. Rangée retour, on fait la même chose donc pour le motif. Vous faites une rangée simple, rangée retour, vous réalisez le motif. Donc on va refaire la même chose qu'on a fait lorsqu'on a réalisé donc la première partie du pull. Alors à 33 cm, je dirais, on commence donc sous la manche, on va prendre, ça m'y fait... Bon, tu te fais ? Rien, j'ai rien fait moi. Donc, j'ai 20 cm sous la manche, et donc je vais prendre 20 cm au total à 36. Je vais arrêter de dire 35 cm.
au total, donc du début du col jusqu'à la dernière rangée, 35 cm au total. Attention les aiguilles, amis. Alors, à partir d'ici, donc, je vais passer. Oui. Maman. Oui. Maman. Oui. Je vais passer les aiguilles numéro 3. Demi. Il a peur. Maman. Maman. Si. Oui. Et je vais réaliser. Maman Polly. Polly, on y va. 12 rangées, disons 14 rangées en côte de 1-1, comme j'ai fait pour le col. Donc vous passez aux aiguilles numéro 3 et demi et vous montez 12 rangées en côte de 1-1. Attends, on y va. Côte de 1-1, donc vous avez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oui. Hein? Non, là, je fais le tour. Ah, ah, doucement. Papa. Oui. Je suis blessé. Non, mais tu n'es pas blessé. Un peu seulement. Tu t'es pas brossé les dents. La souris va rentrer dans ta bouche. Elle va te manger les dents. Monster. Oh, le monster. Il va manger tes dents, le monster. Donc, je fais le tour. On termine par une maille à l'endroit. Voilà, donc voilà, on va monter 12 à 14 rangées en côté 1-1 avant d'arrêter toutes les mailles et avant de passer donc à la réalisation des manches. Bon, oiseau a fait pipi la tête. Oui, oiseau, il a fait pipi sur la tête de monsieur. Alors donc, voilà, j'ai monté 14. Maman. Au total, finalement, j'ai monté 14 rangées en côte de 1-1. Et pour, donc, pour la suite, je vais tout simplement arrêter toutes les mains. Oh là là, Mélie, attention. L'avion. L'avion, oui. L'avion, tout bien. Je vais arrêter les mailles avec un crochet. Le copitaine, cocoté. Non, c'est quoi? Ah oui, ça c'est un avion, un gros avion. Non, c'est un avion. Oui. Ah, c'est notre. Ah. C'est notre. Non, c'est pas c'est notre. C'est pas un avion. C'est pas avion. Avion. Oui, là. L'oiseau, il court. Ah, l'oiseau il court, l'oiseau il vole. Ouais, comme ça l'oiseau il vole. Le poisson il fait quoi? Ah, et le chien? Le chien il fait quoi? Il cache. Yeah. Ah, yeah. Merci. C'est pour moi. Mais ça, c'est pour moi. Et voilà. Donc, on va faire le tour. Donc, on termine. Il revient. Tu fais où? Thank you. Oh là là. Et voilà, encore. Je vais arrêter ici. Et... Tiens.
Donc, voilà. Mais quand je commence à faire quelque chose, tu viens. C'est pas gentil là. Oups. Donc, première partie terminée. On va entamer cette fois-ci donc la réalisation des manches. Alors pour les manches, on va augmenter de 4 mailles de chaque côté pour avoir les 8 mailles qu'on a ajoutées ici au début. Vous allez voir, on va augmenter 4 mailles de chaque côté. Donc déjà, on va remettre les mains. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une bêtise ou quoi? Déjà, on va remettre donc les mailles qu'on a laissées en attente sur notre aiguille. Thank you.